Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto ou une petite combine technique afin de démonter le troisième feu stop sur le haillon d'une 508. Donc là, je suis dans le coffre. Ces garnitures qui encadrent le haillon sont à démonter, au moins en partie. Donc on a celle-ci à droite, on a la même à gauche. Donc ma combine, quand elles sont positionnées initialement comme ça, c'est de chauffer avec un décapeur thermique en essayant de glisser derrière le décapeur thermique afin de chauffer un peu les éléments, comme les clips, afin d'éviter de les casser en les retirant. Et puis ensuite de glisser derrière des cales, des petites raclettes qui permettent de faire levier afin de tirer le cache. Donc une fois que le cache est retiré, on fait la même chose à gauche. Et ensuite, ne vont rester que deux vis. Alors je les ai déjà enlevés. Ici, il y a un torx. Ici, il y a un torx. Et une fois que ces deux vis sont enlevées, il reste le troisième feu stop qui tient par un seul clip, ce qui est par là. Donc peut-être qu'il y a une main. Voilà. Donc voilà, le dernier clip dont je vous parlais. Et du coup, vous tenez en main le troisième feu stop. Ce qui va me permettre de faire mon traitement de vitrage en recouvrant intégralement la partie transparente et pas de faire une découpe autour du feu stop comme on voit couramment. Je trouve que ça fait moins fini. Donc voilà pour la petite combine du jour. On vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine. Bye.